Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît494 pour ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. Alors, dans cet épisode, donc, on avait un petit truc à faire, puisqu'il y a Liam qui nous a donné rendez-vous sur Eos. Alors, je crois pas pouvoir y aller. Non, ça, le holoplanétaire, ça me dit juste... Voilà. Ah oui, et puis, entre deux épisodes, j'ai renvoyé mes gars faire quelques missions, enfin, mes groupes d'assaut. Faire quelques missions, et puis je me suis changé, et puis je me suis amusé un peu à changer les couleurs de mon armure et tout, enfin bon, voilà quoi. Je me suis un peu occupé entre deux. Alors, carte de la galaxie. Bim bim bim. Non, nous on va sur Eos. Voilà. Nous nous rendons ici, et ensuite nous nous rendrons ici. Allez, c'est parti. On y va. On va voir ce que nous veut. Ce cher Liam, apparemment, il a organisé un truc. Une petite fête. Le système Piteas qui abrite Eos et Prodromos. Ouais, donc comme vous avez pu le voir, je me suis mis en tenue décontracte. Je me suis dit, après tout, c'est mon vaisseau. Je me promène à bord de mon vaisseau et tout, je suis pas obligé d'être... Donc du coup, je me suis mis en petite tenue décontracte et tout. Bien tranquille. Ok, on va passer ça, parce que... Voilà. Ce serait bien qu'on atterrisse le plus vite possible. Non, ça c'est l'architecte. Et ça, c'est notre zone d'atterrissage. Voulez-vous débarquer? Bah oui, on va débarquer, oui. Ouais, ça va être fun, on va débarquer et tout. Donc, toujours épée Asari, Sweeper Ice et Licharet 6. Voilà, qui fait le taf. L'armure avec les couleurs, les petites couleurs maison. Et j'ai un truc que je peux mettre ici. Ah oui, mais c'est que des trucs qui font... mode de fusion rupture. Ouais, mais ça met trop de malus pour le peu de bonus qu'on y gagne en fait. Du coup ça m'emmerde un peu d'en mettre. Voilà, donc on va y aller comme ça. Hop. J'ai pas pris Liam. Zut. Synchronisation, trajectoire stable. Zut, faut que j'aille chercher Liam. J'oublie tout le temps de constituer mon équipe, en fait. J'y pensais dans le 1, le 2, parce que bah, il fallait les équiper au passage. Alors que là, ils s'équipent tout seuls, les mecs, il n'y a rien à faire. Juste leur donner de temps en temps leur point, et puis... Vous pouvez les esquiver dans un sens particulier, mais vous ne pouvez pas les équiper, vous ne pouvez pas leur mettre des armures. Ça a beaucoup limité l'interaction là-dessus, je trouve. Voilà, avec notre superbe armure N7. Trop classe. Voilà. Non, il faut que je trouve le... Oui, non, c'est pas les mêmes boutons, Ben. Il n'y a pas de station de... Ah non, elle est là. Ok, bon, on va faire un voyage instantané là-bas, et puis... mais... Vache. Il aurait pu y en avoir un dans la colonie, ça aurait été vachement plus simple, hein. Alors. Triangulation réussie. Sauf que c'est pas ce que je cherchais. Excuse-toi, Drac. Équipement. Équipement, équipement. Voilà. Équipement. On va garder Drac. On va virer Cora. Hop. On confirme. Voilà. On se fait une sortie entre... Entre que mais.
Allez, c'est par ici les enfants. Yatta! Hop là. Oh non! Il m'a considéré des dommages quand même. Voilà. C'est passé ce coup-là. Allez, on va. C'est là-bas, pionnier. J'ai préparé un petit quelque chose pour tout le monde. C'est là ? Oh, il est cool ce casque quand même. Allez. Prodromos est en place et prêt à recevoir. On est prêt pour l'échange, pionnier. Non, match de foot, mon gars! Mettez-vous à l'aise. Ça va chauffer. Il faut comment un match de foot, mon gars! Excellent! Juste avec une balle et un terrain plat. Le Trust organisait des parties dans les camps de réfugiés. Ça me dépassait à l'époque, mais après l'attaque d'ici et le sauvetage de Vérane... Je suis pas fan de foot à la télé, machin et tout, mais taper dans le ballon avec des potes, ça m'a toujours plu, ça. Ça occupe l'esprit. J'en dis quoi? J'en dis que c'est bien, ça occupe l'esprit, ouais. Ça fait du bien après, à tout le monde de changer dire, des idées de temps en temps. Pas seulement ça. Bah voilà. J'ai pas fait ça pour les distraire. Dans une situation de vie ou de mort, il faut pas se laisser distraire, mais foncer tout droit. Personne ne vit ou ne meurt pour ça. Tout le monde est là par choix. J'avais pas compris à quel point c'est important. C'est peut-être avec ce choix qu'on cesse d'être des étrangers. Exactement. Regardez ça. Je suis bien d'accord. Et puis, il n'y a rien de tel que de s'amuser autour d'un ballon. Ça mérite un coup fort. Pour rassembler les gens. Pas de pénalité pour les tourtereaux. Quoi ? Merci, Liam. Pour avoir continué ce que vous avez commencé ? Bah ouais. Si vous justement, voulez. Ouais. Ah, bah, y a pas de quoi. On change. Vous êtes prêts à jouer? Oh bah, ouais, on va voir ce que ça donne, ouais. Oui, allons-y. C'est l'heure pour le pionnier d'entrer en scène. Je suis nul au foot, mais c'est pas grave. On va s'amuser. Essayez de suivre, Costa. N'y comptez pas, je suis complètement nul. Ah, mais moi aussi, ah, mais ça va être beau. On est deux nuls. Ah non, mais on la joue pas pour de vrai. Ah mais c'est... Ah mais je suis déçu. Ah là mais je suis trop déçu. Je pensais vraiment qu'on tapait le ballon avec eux quoi. Ah non c'est pas cool. Ah là ils m'ont tué mon... Ah ouais. Mais j'ai bien aimé l'animation. J'ai trouvé ça sympa. L'idée de faire se réunir les gens autour d'un ballon, taper dans le ballon juste pour s'amuser. Pas forcément pour gagner. Pas pour la gagne, pour la gloire d'un tel ou d'un tel. Non, c'est juste taper le ballon entre gens de bonne compagnie, s'amuser. Ouais, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. Je regrette pas d'avoir fait ça. Seulement maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Voilà, les missions d'Eleus sont terminées. Relations et alliés, on est en attente de renseignements. Donc je pense que ça va se déverrouiller avec la prochaine étape. Donc, chers amis, nous retournons à bord de l'Andromède du Tempête. Et nous décollons. Voilà. Quitter la planète. Ascension en cours. Sortie d'atmosphère. RAS. Qu'est-ce qu'il est beau ce vaisseau aussi. Voilà. Et qu'est-ce qu'il est classe ce t-shirt. Bonjour. Et voilà. Bon, bah il est temps de passer aux choses sérieuses. On part à la chasse
à l'Archon. Ryder, on capte de nombreuses transmissions Kert. Restons discrets, Kalo. Il est encore trop tôt pour se lancer dans la bagarre. Ok. Vaisseau amiral. Des planètes. Ok. Bon, ben on va faire le tour vite fait. Hop. Anomalie détectée. Ah ben on a bien fait de faire le tour. Je déploie une sonde. Anomalie trouvée. Nappe de glace. Très bien. Ok. On a trouvé une nappe de glace. C'est très bien. Ça fera de l'eau. Tentro... Non. Je fais n'importe quoi. Voilà, Tentrobi. Hop, on y va. Hop. On y est. Je détecte quelque chose. Oh bah, il y a du lourd sur ces planètes-là. Ok. Sonde larguée. J'ai repéré un énorme dépôt de minéraux. Du fer. Parfait. Très bien. Très bien. Voilà, retour sur le système du IONO-NASA. NASA. Ok, hop, on y va en speed, tac. On scanne. Et il n'y a que dalle. Ah bah parfait. On se casse d'ici. Alors. PA 65. Ok, on a dit on passait les animations. Voilà, pas qu'elles soient pas jolies, mais... Oh, il y a un truc qui flotte ici. Je déploie une sonde. Satellite détecté. 60 données de recherche de la voie lactée obtenues. Parfait. Donc on a trouvé un satellite, c'est très bien. Et il nous reste le vaisseau de l'Archonte. Ils sont accrochés à l'arche. D'accord. Voulez-vous lancer cette mission ? Oui mon gars. Par contre on va la faire en deux épisodes. Hein. Je vais faire une coupure au milieu je pense. Hein. Il y a vraiment de très fortes chances. Ok. L'équipement c'est bon. Pack de sur-régime. D'accord. Système de secours améliore les systèmes de survie et permet à l'utilisateur de survivre plus longtemps hors du nomade en environnement hostile. Aucun effet en combat. D'accord. Déverrouillé grâce aux avantages des modules de stase. Ah oui. C'est vrai alors ? On a trouvé l'arche galarienne ? Ouais.
juste là, mon gars. Regarde. Sam, montre-nous ça. Apparemment, l'Archonte l'a capturé. Les deux vaisseaux sont reliés. C'est quoi le plan? J'y travaille. On rentre, on bute tout le monde, on récupère notre vaisseau et on se barre. Ryder, ravi de vous revoir. On a localisé le vaisseau de l'Archonte. C'est plus compliqué que prévu. Donc je voulais être sûr de bien savoir ce qu'on cherche. C'était une relique de grande taille représentant Meridian. Elle se trouve dans ses quartiers privés. Son sanctuaire, comme il l'appelle. Il est très fier de cette relique. Plus pour longtemps. On n'aura plus de quoi être fier quand on l'aura volée. Mieux vaut ne pas prendre l'Archonte à la légère. Il n'a aucune considération pour le caractère sacré de la vie tel que nous l'envisageons. Vous pouvez avoir confiance en vous, Ryder, mais n'en oubliez pas toute prudence. Je comprends. Merci pour votre aide, Moshei. Je vous en prie. Bonne chance. Bon, si on se débrouille bien, non seulement on récupère la relique, mais on sauve les Galariens au passage. On monte à bord de l'Arche, on évalue la situation, et ensuite, on s'infiltre sur le vaisseau Kerr par le système d'amarrage. Une approche adéquate. L'Arche Marcero est actuellement en veille. Seuls ses systèmes de stase sont activés. Ok, cool. Et les Galariens? Je n'ai aucune information. Merde. Vous avez entendu ce que la Moshae a dit? On peut pas savoir ce que l'Archonte pourrait faire. Respectons l'adversaire quand même. Mais on va lui faire regretter. C'est alors pas parce qu'on le respecte qu'il va si pas bouffer. Si on estime l'Archonte, on est mort. Ryder? Je suis là, en cas de besoin. C'est mon peuple. On les récupérera. Tâchons d'être efficaces. T'inquiète, t'inquiète. On va faire ça... Fashion N7, mon gars. Tempête, on y est. Pour le moment, aucune activité inhabituelle en provenance du vaisseau Kert. Pourvu que ça dure. Pionnier, si vous accédez à un terminal, je pourrais évaluer la situation. D'accord. Oula, niveau sup. Niveau sup. Ah bah, Drac aussi, niveau sup. Donc, vous le savez, hein, moi, je l'ai... Niveau sup auto. Ah, je peux pas leur en mettre plus de points. D'accord. Niveau sup rider, j'ai 6 points. Alors moi, ce que je voulais voir, c'était booster un peu. Non, mais pouvoir texon à fond. Donc ça, c'est bon. Donc du coup, on va pouvoir y aller un peu plus sur les pouvoirs biotiques. de dégâts, 15% de recharge. Oh, plus de dégâts. Ok, voilà, on a dépensé les quelques points qu'on avait. On confirme. Profil sentinelle de rang 5. Sentinelle. Non. F2. Voilà, celui-là, il balance la boule de feu. Ah, une console. Il y a pas de truc à scanner. Non, bon. J'accède au système interne de l'Arche Marcero. Un instant. Un cryptage supplémentaire a été ajouté aux données. Oh. Ça, c'est pas le protocole. C'est pas conforme au règlement. C'est les Galariens qui ont fait ça? Il semblerait. C'est une clé cryptographique liée à leur service de renseignement. Je l'ai déverrouillée. Oh. État de la mission. L'Arche Parcero est arrivé dans le secteur Eleus. La position actuelle du Nexus est inconnue. Ici le capitaine Ager de l'Arche Parcero. Si vous recevez ce message, des aliens ennemis ont pris possession de notre vaisseau. Merci de chercher Zevin Raika. Situation urgente. Trouvez notre pionnier. Ça sentait pas bon, ça. Il faut qu'on parte à sa recherche.
Je pirate la porte de séparation. Ok, mais attends, on n'a pas fini de tout lire. Les pionniers. Un pionnier a pour mission d'explorer et d'évaluer les nouveaux mondes pour y établir des avant-postes et des colonies. Ici le capitaine Ager de l'Arche Parcero. Si vous recevez ce message, des aliens ennemis ont pris possession de notre vaisseau. D'accord, donc en fait, ils ont... Merci de chercher Zevin Raika. Situation urgente. Trouvez notre pionnier. À chaque... Sur chaque annonce, en fait, vous allez voir, pareil, l'initiative, hop, Andromède englobe tout il commence, mais il va être coupé par... Les arches, les pionniers, les avant-postes et le Nexus au centre. Ici le capitaine Ager de l'Arche Parcero. Voilà, capitaine Ager. Si vous recevez ce message, des aliens ennemis ont pris possession de notre vaisseau. Ok. Merci de chercher bon. Zevin Raika. Situation urgente. Eh bien, on va mettre... Trouvez notre pionnier. On pose ici, et puis on va mettre fin à l'épisode. Voilà, parce que l'épisode commence à dépasser, donc on va s'arrêter là. Vous connaissez le refrain, n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits conseils et commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve demain pour la suite.